Je vais vous laisser vous présenter assez rapidement pour les personnes qu'on ne connaît pas. Alors, Gaël Glandière, inspecteur d'académie, hyper inspecteur pédagogique régional en sciences de la vie et de la terre dans l'académie de Limoges. Mehdi Garsala, je suis conseiller pour le numérique de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cyril Gaudin, je suis enseignant-chercheur à l'INSPE de Limoges. Bonjour, Cédric Massard. Donc moi, je suis développeur informatique et je viens pour l'Elliptique en tant que vice-président. Donc c'est une association de sociétés du numérique qui est basée sur Esther. Mehdi Oyek, donc maître de conférence à Lyon 1, mais aussi conseiller à la MIPNES des GESIP, numérique et pédagogie. Vous pouvez garder le micro, vous allez vous faire passer. Donc vraiment, donc cette table ronde, c'est d'essayer de réfléchir ensemble et puis peut-être d'apporter quelques réflexions sur justement comment on peut utiliser la réalité virtuelle dans l'enseignement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pistes, on a entendu parler d'enseignants qui avaient envie d'être valorisés. Donc déjà, la première question que je vais poser, ça va être plutôt au niveau du rectorat et puis du ministère. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Vous pouvez en parler par rapport à ça? Oui, c'est pas le sujet le plus facile pour démarrer. Hein. Merci. Je suis désolée. Pour moi, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a le fait de valoriser l'engagement pédagogique. Et ça, je crois qu'on commence à mettre en place des choses avec la formation des enseignants-chercheurs quand ils viennent d'être nommés, avec le développement croissant des centres d'appui à la pédagogie un peu partout dans tous les établissements. Je crois qu'il y avait une question ce matin sur le sujet avec les congés pour formation. Donc là, je ne dis pas que le dispositif est parfait. Il y a un cadre réglementaire aussi qui a beaucoup évolué, qui n'est pas forcément utilisé dans les établissements aujourd'hui, mais pour sortir un petit peu des 192 heures HETD pour permettre de valoriser le travail de pédagogie d'un enseignant qui va faire un MOOC, qui va mettre en place un dispositif, des choses comme ça. Et ça, c'est au niveau de l'établissement que ça doit se faire, mais le cadre réglementaire, il existe aujourd'hui. Donc on a fait beaucoup de choses sur le sujet. C'est pas parfait, on peut aller encore plus loin, mais il y a une vraie dynamique qui se met en place. Là où on est faible, c'est sur la valeur, je le dis, tant pis, je me ferai taper dessus, mais là où on est faible, c'est sur la valorisation de la pédagogie dans la carrière des enseignants-chercheurs. Et sur ce point-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'en parlais tout à l'heure dans les couloirs, donc je peux le redire ici. Aujourd'hui, pour devenir professeur des universités, il faut avoir une habilitation à diriger des recherches. Peut-être que ce ne sera pas le cas tout le temps. Voilà. Peut-être qu'un jour, on pourra dissocier le fait de savoir encadrer des chercheurs, et c'est très très important de savoir le faire, mais pouvoir continuer d'évoluer dans sa carrière aussi avec un engagement pédagogique plus fort. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Voilà. Donc il y a vraiment les deux choses. On valorise, et ça je crois qu'on y arrive bien, l'engagement pédagogique. Dans la carrière, ce n'est pas encore le cas. Par contre, au niveau numérique, je reste avec toi, Mehdi. Je sais que tu vas partir plutôt que... Et le rectorat voilà, est d'accord. Voilà, parce que tu as un impératif. Du coup, par rapport à ça, là, on parle de la valorisation. Par contre, au niveau des outils, de ce qui se met en place, d'appels à projets, il y a des choses qui se font quand même. On voit que de plus en plus, on répond à ces appels à projets. Donc, de plus en plus, il y a des lieux comme ça où on peut pratiquer. Oui, enfin, il y en a, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, on voit que ça se développe à différentes échelles en fait, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va avoir à la fois sur des petits projets, des initiatives qui sont bien circonscrites, des appels à manifestation d'intérêt par exemple portés par la DGCIP, par la MIPNES, avec des dotations de 30, 50 000 euros, voire des appels à des projets vraiment sur initiative, un établissement qui va venir proposer quelque chose au ministère, et il y a un jury qui se réunit, etc. Alors c'est un peu sélectif, mais c'est pas inaccessible. On valorise aussi le travail des enseignants. Là, on a très bientôt, le 23 janvier, la remise des prix PEPS, donc Passion, Pédagogie, Enseignement.
Dans le supérieur, merci, oui, évidemment. Donc là, il y a des choses qui existent. Et puis, on voit des plus gros dispositifs qui émergent. Et ça, c'est un peu nouveau à l'échelle des programmes d'investissement d'avenir. On a parlé tout à l'heure des nouveaux cursus universitaires, enfin des NCU. Il y avait eu auparavant le programme DUNE pour le développement des universités numériques. Donc là, on voit des appels plus imposants, dotés de plusieurs millions d'euros qui sortent. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à contre-courant. Quand on s'engage dans la pédagogie, quand on cherche à répondre à des appels à projets, qu'ils soient petits ou gros, et voilà, y a effectivement une dynamique qui est en place. Dans le futur, tu penses qu'il y a des choses qui vont se faire dans ces domaines de la réalité virtuelle augmentée ou pas forcément reliés à ça ? Alors, j'ai pas la carte des futurs appels à projets spécifiquement sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Mais globalement sur l'innovation pédagogique, oui, il va y avoir des choses. Voilà. Après, je pourrais pas dire qu'il y a une topologie des appels à projets spécifiquement sur la réalité virtuelle. On voit que ça émerge. On voit que, d'ailleurs, sans parler de réalité virtuelle, on va parler plutôt de pédagogie active, d'immersion, quel que soit le dispositif. Il se trouve que la réalité virtuelle est très immersive, donc ça joue beaucoup. Mais non, je ne crois pas qu'il y ait des appels spécifiques sur ça. En revanche, il y a juste un point, ce n'est pas un appel, mais je profite d'avoir la parole pour le dire. Il y a une plateforme nationale qui est en train d'essayer de se monter autour des jeux sérieux, qui s'appelle Ikigai, qui fait appel à tous les établissements. Et quand on adhère à Ikigai, donc c'est porté au départ par Sorbonne Université, mais il y a aujourd'hui presque une vingtaine d'établissements qui sont membres. J'ai plus le tarif exact en tête de l'adhésion, mais c'est pas, enfin, ça me semble pas être un véritable sujet. Et quand on adhère, on a accès à un vrai studio de game design avec des gens qui développent sur Unity, avec en gros les ressources existent. Et c'est une façon de maintenir ces ressources et de délivrer des jeux. Voilà. Et si on a fait des jeux ou des modèles 3D, on peut aussi aller les déposer sur cette plateforme. C'est l'équivalent de FunMook, mais pour la 3D et les jeux sérieux. Et voilà, j'en profite parce que je trouve que c'est une belle initiative. Le ministère n'en fait pas du tout partie, enfin, on les a soutenus un tout petit peu au début. Et là, c'est vraiment maintenant aux établissements d'y aller, quoi. Et merci pour l'info. Et au niveau du rectorat, comment ça se passe ? Alors, au niveau du rectorat, on a un véritable défi, c'est de passer des initiatives pédagogiques locales portées par des enseignants, chevronnés, passionnés, et de passer de ce niveau-là à une appropriation progressive par un maximum de collègues, enseignants, et donc un essaimage. Et ça, c'est un véritable défi pour le rectorat et notamment pour les inspecteurs pédagogiques régionaux qui sont sur le terrain, qui constatent sur le terrain ces initiatives-là, leur plus-value et comment démultiplier et finalement essaimer la chose. Alors, ce que je peux constater, moi, sur le rectorat de Limoges, c'est que le collectif des services, il est essentiel. Un inspecteur pédagogique régional, quelle que soit sa discipline, s'il n'est pas étroitement associé à la DANE, à la direction académique du numérique éducatif, c'est mal parti, quoi. C'est mal parti. Et donc, ces appuis-là, également avec les services de formation de la DAFPEN, c'est un triptyque qui est incontournable. Donc, ce collectif-là, il faut l'animer. Ça se passe plutôt bien dans l'Académie de Limoges. Et sur des exemples concrets, vous avez pu voir l'exemple de la réalité augmentée sandbox. Voilà, deux enseignants qui émettent l'idée, en parlent à leur inspecteur. On élabore avec la DANE des équipements, un programme d'équipement, et puis un programme de formation avec une montée progressive, mais toujours dans des modalités de formation, me semble-t-il, très horizontales, avec des échanges de pair à pair. Voilà, la formation descendante, ce genre de choses, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Voilà, c'est cet exemple-là. Sur l'Académie Minimoche, c'est aussi... alors, ça concerne aussi ma discipline, mais on est très... on a des marottes, et les représentations spatiales, le problème des représentations spatiales chez les élèves, de passer de la 2D à la 3D, les différentes échelles,
de représentation. Voilà, on est en train de se lancer aussi dans la photogrammétrie par drone, acquisition de données, d'images, donc constitution de milieux, pouvoir les intégrer dans des SIG. Donc voilà, on varie et on allie de la 2D à la 3D et on passe de l'échelle cartographique à des échelles de l'échantillon et on va même jusqu'à l'échelle moléculaire avec Rastop ou Limol où on a des représentations virtuelles en 3D des molécules. En tout cas, ce sont des obstacles didactiques forts pour les élèves, parfois chez les adultes aussi, je dois le reconnaître. Donc, c'est un véritable enjeu didactique. Est-ce que vous voyez des liens justement entre l'éducation nationale et l'ESR ? Je vous pose la question, mais je sais que la commune, donc Léonard de Vinci, fait avec les badges, nous relie pas mal, donc il y a des sujets communs. Est-ce que justement dans la VR, dans l'innovation pédagogique, là je me retourne aussi vers les enseignants, est-ce qu'on peut trouver des liens dans la pédagogie entre l'ESR et l'éducation nationale ? C'est certain. Une des conclusions que je tirerai de cette journée, de ce que j'ai pu entendre et voir et découvrir, c'est que finalement, on travaille sur des objets communs. Il y a des initiatives qui doivent être mises en énergie. Je veux dire, il y a des ressources humaines et matérielles, à mon avis, qu'il faut cultiver. Et des ponts qu'il faut générer entre nos organismes. Le parcours de l'élève, l'élève, dans son individualité, il va passer... de toute façon, dans ces différentes structures secondaires, puis l'université. Donc, c'est à nous de créer ces synergies-là. Ça me semble essentiel pour éviter les ruptures. Je veux bien ajouter un mot sur le sujet. Je ne suis pas Philippe Lal, je ne suis pas le conseiller pour la pédagogie, je suis conseiller pour le numérique, donc je ne suis pas vraiment légitime pour ce que je vais dire maintenant, mais ce n'est pas grave, je prends le risque. Moi, je crois que l'enseignement supérieur a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Du scolaire, en particulier des plus petites classes, de ce qui se passe en maternelle. En maternelle, la pédagogie active, en fait, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne fait que ça. On ne fait que de la pédagogie active. Faire des îlots, faire manipuler, vivre des expériences, travailler en petits groupes, etc., etc. En maternelle, on a tous vécu ça, nos enfants ont vécu ça, etc. Et puis arrive un moment où à peu près vers le CP, je ne sais pas pourquoi, on se remet en autobus, là, tout le monde assis les uns derrière les autres, on écoute le prof, et voilà, c'est les mêmes élèves. Voilà. Et dans le supérieur, on est en train de redécouvrir que si on engage le corps, Nadie l'expliquait très bien ce matin, si on engage le corps, on mémorise mieux, on comprend les choses, si on refait des learning labs qui ressemblent globalement à une classe de maternelle, hein, avec des sièges qui bougent, des sièges à roulettes, des petits îlots, on travaille sur différentes hauteurs, on fait manipuler du sable, etc., etc. On est en train de redécouvrir plein, plein de choses. Alors évidemment, la complexité des notions, la taille des cohortes, etc., ne sont pas la même. Et je ne dis pas qu'on peut calquer exactement ce qui se passe en maternelle à un amphi de 400 élèves en droit. Mais, oui, il y a des choses à apprendre, à réinventer en tout cas, et je pense à se réapproprier à notre niveau. Et je crois que les enseignants qui font l'innovation pédagogique font beaucoup ça. Ah, j'ai oublié, pardon, un truc très important pour moi, la place du jeu. Enfin, je ne sais pas, ça peut être sympa d'apprendre, quoi. On peut s'amuser, on peut vraiment s'amuser. Ouais, Cédric, tu peux rebondir, je pense, là-dessus, parce que tu as plusieurs casquettes. Et tu vas pouvoir un peu parler de tout ça, je pense. Oui, non, mais c'est pas évident hein, comme sujet. Mais moi, ce que je peux en dire par rapport à ce que je viens d'entendre et un petit peu discuter avec tout le monde, c'est moi, je suis plus sur l'aspect création. Donc, c'est vrai que j'entends tout à fait ce que tu dis sur le côté co-créatif qu'on retrouve à la maternelle et qu'on perd en grande. Et on sait qu'en France, on n'est pas très bon pour travailler ensemble, donc ça c'est une vraie révolution des dernières années. J'interviens sur un projet qui s'appelle Museomix, hein, qui est basé sur du co-créatif, c'est du hackathon numérique, et c'est vrai qu'on se retrouve dans ces configurations où on a plusieurs personnes qui vont échanger sur un projet et construire un prototype physique, hein, de médiation. Et, l'outil pour moi 3D virtuel permet aussi en mode rapide d'échantillonner. Ben, pour moi c'est très important de l'intégrer aussi comme une conception, une modélisation. Donc c'est vrai que ça permet d'apprendre, mais ça permet aussi de construire et d'apprendre à construire. Donc je le vois plus comme ça.
Vous, en tant qu'enseignant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pratiquez justement? Là, si on reste sur ce sujet-là, alors j'ai deux questions pour vous deux. C'est cette question-là de l'enseignement et voilà, les nouvelles pédagogies. Est-ce que vous les appliquez? Et surtout, vous, c'est dans votre recherche aussi. Et comment vous voyez votre valorisation aujourd'hui? Comment vous valorisez votre travail? Je pose des questions compliquées. Non, sur la valorisation, du coup, c'est vrai que quand nos objets de recherche coïncident aussi avec des dimensions pédagogiques, c'est plus aisé pour nous du coup d'envisager du coup d'évolution à la fois de carrière et de faire progresser des dimensions pédagogiques. Donc, on est quand même sur un créneau qui est plutôt assez aisé dans le contexte actuel. Après, moi, de la journée, il y a l'idée aussi qui est récurrente, mais qui est un point de vigilance que j'ai repéré, c'est qu'il y a eu quand même que des entrées scénarios et pas des entrées techniques dans ce qu'on a pu appréhender. Et c'est quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que même si on monte en niveau technologique, finalement, la question de base du scénario est toujours présente. Après, ça m'a posé la question aussi de est-ce qu'on peut réellement penser que la VR indépendamment d'un scénario un peu plus global, des environnements plus multimodaux ou de l'hybridation? Parce que si on rentre sur le projet, par exemple, rendre l'étudiant acteur, quelle est la part de la VR, qu'est-ce qu'elle amplifie dans un scénario où on arriverait à étiqueter différents types d'expériences? Et du coup, en termes de chercheurs même, est-ce qu'on étudie que l'expérience utilisateur ou comment migrent certaines expériences? Jusqu'où on regarde où elles migrent? Jusqu'au stage, jusqu'au travail, jusque... En fait, sur le scénario, c'était la première chose qui m'a interpellé. Et la deuxième chose, c'était aussi sur la nécessité du réseau, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu des pépinières à droite à gauche de réflexion. Et on gagnerait beaucoup de temps aussi à bien structurer l'informel, quoi. C'est-à-dire que globalement, on se rend compte qu'ici, c'est dans l'informel que se construisent beaucoup de choses. Et finalement, voilà, c'est une autre question, c'est comment on arrive aussi à faire vivre aussi le fait qu'on ne réplique pas des choses, qu'on arrive à monter vite en compétence sur des domaines et qu'on arrive aussi à générer aussi des choses beaucoup plus fécondes et rapidement que tous tester de notre côté, puis à l'occasion de quelque chose. J'ai l'impression que sur ces dimensions-là, en fait, on n'a pas encore quelque chose de très, très structuré. Non, puis c'est quand même, comme tu disais, assez différencié. Du coup, c'est comme si on le sortait d'un autre contexte. Enfin, moi, c'est-à-dire que, parce que c'est très innovant, du coup, on va faire le scénario en réalité virtuelle, mais on ne le remet pas dans un autre contexte, en effet. Il y a plusieurs entrées. Déjà, il y a plein de chercheurs ou de professionnels qui s'intéressent à la place de la trace pour former des gens. Donc quel type de traces? Il y a des réseaux, par exemple, aussi au niveau du primaire jusqu'à l'université. Il y a des réseaux interprofessionnels. Parce que là, un médecin, un ingénieur dans un bloc réacteur, un soudeur à STX, à Saint-Nazaire, en fait, il y a des choses qui sont liées à la VR qui pourraient être interrogées d'un point de vue interprofessionnel aussi. En fait, c'est ces modes d'entrée, ces modes de réseau qui sont aussi peut-être à penser pour avancer plus vite. Ou aussi, ce que j'aimais aujourd'hui, par exemple, c'est des questions aussi contre-intuitives qui sont amenés dans ces temps informels qui nous font avancer aussi dans nos pratiques. Donc la consanguinité, entre guillemets, à la fois de mode de travail et de scénario, elle peut être aussi à un moment donné une nécrose, aussi un risque, quoi. Où on polarise trop et finalement on ne crée pas de l'émergence. C'est pour ça qu'on vous a tous fait venir aussi là, cette table ronde entre l'entreprise, les enseignants et l'ESR et voilà, l'éducation nationale. Nadie, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Alors moi je suis dans la même situation que mon collègue, c'est-à-dire j'ai la chance de publier autour de l'innovation pédagogique que je mets en place. Mais mon message serait tout simplement inviter tout enseignant-chercheur à s'inscrire dans cette démarche réflexive de son propre enseignement et à s'inscrire dans une innovation pédagogique, premièrement pour lui, j'ai envie de dire, avant que ça ne soit pour l'étudiant, pour lui, pour se renouveler lui-même. Après, il y a un impact sur l'étudiant, sur l'apprentissage, et une fois on va récolter les données, tout chercheur est censé faire des statistiques, il le fait pour son domaine de recherche, qu'est-ce qui l'empêche de, s'il n'a pas le temps, je comprends, mais au moins qu'il s'associe à des collègues qui le font, et il peut sortir des résultats scientifiques autour de sa propre innovation. C'est un peu comme un médecin qui s'intéresse aussi à l'éducation thérapeutique du patient. C'est un peu l'aspect pédagogique du métier de soignant, mais ça ne fait qu'améliorer la propre pratique. Et exactement la même chose, je peux être très très pointu en mathématiques et faire une recherche très très pointue, mais si je fais de l'innovation pédagogique autour de ma propre matière, eh ben, je ne fais qu'améliorer
mes compétences aussi scientifiques et il suffit juste de se mettre à publier aussi autour de cette innovation-là. Et je termine par un mot, puisque j'ai un peu la double casquette, et j'en ai profité, moi, du prix PEPS. Donc je suis lauréat du prix PEPS, catégorie recherche en 2017. Qu'est-ce que j'ai fait avec les 10 000 euros que j'ai reçus? Eh bien, j'ai participé au financement d'un eye tracker et nous allons l'utiliser avec Anaïk au prochain semestre. Donc j'ai acheté un matériel scientifique d'un prix qui est pour la pédagogie et l'innovation pédagogique, tout simplement parce que je sais que cet outil va me permettre d'encore mieux comprendre mes étudiants, va me permettre aussi de continuer à évoluer dans ma carrière en tant que chercheur. Et donc, je m'inscris aussi dans cette mouvance de Learning Analytics. C'est très important d'aujourd'hui commencer à développer des outils qui nous ramènent également des données et des informations pour encore mieux comprendre nos étudiants, encore mieux comprendre nos pratiques, améliorer nos pratiques et améliorer les outils qu'on développe. Et pour revenir sur l'histoire, et je termine, de la réalité virtuelle, c'est très bien. Moi, je suis convaincu. Mais bon, je suis convaincu parce que je m'intéresse à l'anatomie, à la 3D. Donc, je m'inscris dans cette mouvance, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il faut qu'on s'inscrive dans une démarche multimodale, hybride. Et parfois, on peut mettre en place une innovation pédagogique qui coûte absolument rien. Gratuite, qui fait même pas appel au numérique. Et ça fait avancer un peu nos pratiques. Ouais. Ça revient dans ce que tu disais, l'histoire d'un scénario, et à quel moment on utilise ça ou ça. Et Cédric aussi, je voulais te poser la question, justement, par rapport au territoire, aux start-up, est-ce qu'il y a des choses qui sont en lien avec l'université par rapport à ça ou... Alors, oui, et bien, il y a pas mal de sociétés qui travaillent avec l'université à Esther, hein, évidemment. Après, le champ virtuel, je ne sais pas... Je suis pas très convaincu qu'il y ait encore énormément de choses qui sortent. Hein. C'est un peu le renouveau de la réalité virtuelle, on l'a eu dans les années 90. Donc là, aujourd'hui, on repart sur une nouvelle série. Donc on va voir sans doute des nouveaux acteurs émerger là-dessus. Mais ça, c'est plus la partie EdTech, donc les sociétés orientées éducation. Donc à voir. Je vais devoir vous laisser conclure, Mathieu, si tu veux bien, puisque Mehdi doit partir, et puis Anadi aussi. Le train va partir sans toi. Merci en tout cas. C'était court, mais ça permet aussi de voir que c'est important que tous ces acteurs soient là et de continuer à tisser ces réseaux. Voilà. Merci.